Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, avec cette introduction, Esko est devant moi, nous allons bien sûr parler d'une série culte, c'est une série Sentai culte pour nous francophones. Il s'agit bien sûr de Bioman, et pour m'aider, j'ai évidemment une figurine, sinon ce ne serait pas les reviews de Olivier Culture Pop, pour pouvoir donc vous présenter cette série, mais également les jouets qu'il y avait à l'époque sur Bioman. Je vous propose donc de commencer tout de suite. C'est parti. Donc, que dire sur Bioman? Déjà, Bioman, c'est une série qui n'est pas toute jeune, hein. Donc c'est une série qui date de 1984 au Japon, et qui est arrivée en France l'année après, donc en 1985, en clair en plus, sur Canal+. Canal+ avait eu la bonne idée à l'époque de, un peu comme ce qui avait été fait pour Goldorak, reprendre l'instrumental japonais pour le générique et mettre des paroles en français. C'était Michel Barouille d'ailleurs qui avait fait ça. Un peu plus tard, en 1987, la série atteint un sommet niveau popularité dans l'émission donc Le Club Dorothée, pour diverses raisons, hein, comme je l'avais expliqué dans la toute première review avec le Force Rose qui est là-bas, donc de Maskman. Les séries Sentai, on n'avait jamais vu ça à l'époque, c'était tout nouveau, des héros hauts en couleur qui défendent la Terre contre des monstres, un principe simple mais efficace. Ce qui a aussi popularisé grandement Bioman à l'époque, c'était le fameux générique de Bernard Minet, qui a même été considéré comme étant au-dessus et meilleur que celui proposé par Michel Barouille. Il arrive même encore que Bernard Minet chante ce générique-là. Il est même très demandé, ce générique-là, lorsqu'il fait des soirées en discothèque ou des conventions, etc. Il est obligé donc de chanter Bioman. Selon moi, j'avais déjà expliqué, la meilleure chanson Bioman qu'il ait faite, c'était pour Bioman 3, donc pour Liveman, qui est par ici. Bioman, donc, qu'est-ce que c'est? C'est une série dite de Super Sentai. Le Super Sentai, j'avais déjà expliqué, hein, donc c'est un genre qui existe au Japon, où des héros de diverses couleurs, ils sont généralement 5 en plus, défendent la Terre contre un ennemi extraterrestre. Bioman au Japon est la 8e série Super Sentai. En France, Belgique, Suisse, bref, les pays francophones, c'est la première du genre donc à arriver. Nous allons voir quelles sont les qualités, mais aussi les défauts de cette série-là. Bioman, déjà, de quoi ça parle? Donc, Bioman, le nom Bioman, fait référence au robot, premièrement. Le robot, ici, il est appelé le géant Bioman. Et les autres, les 5 forces, ici, sont appelés les Biomen. Donc, ça fait référence au robot qu'il y a ici. De quoi ça parle, donc? Eh bien, on nous situe un petit peu l'histoire. Il y a donc 500 ans, dans le Japon féodal à peu près, 5 jeunes gens ont été inondés de bioparticules, leur donnant ainsi une force hors du commun et la capacité à se transformer. Ils ont été inondés de bioparticules dans un but bien précis, celui de protéger la Terre contre des envahisseurs. 500 ans plus tard, donc à notre époque, 1984, donc dans ce cas-là, les descendants de ces 5 héros du Japon médiéval doivent être retrouvés par le géant Bioman afin de reconstituer une équipe capable de vaincre cette fois-ci l'armée du docteur Mad et ses fameux monstres mécaniques. Nous avons 5 personnages donc dans Bioman, le leader étant évidemment le rouge, bon, en français on l'a appelé Jackie Gore. Vous avez également force verte, force bleue, donc en fait blue, green 2, blue 3. Vous avez yellow 4, donc force jaune, et pink 5 ici pour force rose. J'avais expliqué donc par rapport à Maskman, hein, si vous vous rappelez ici, généralement le rose est l'élément le plus faible du groupe. Dans Maskman, ce n'était pas le cas. Le rose tirait fortement son épingle du jeu avec des techniques qui lui étaient propres. Ici, c'est vrai qu'au début de la série Bioman, Rose semble être quand même la moins puissante de toutes. Elle doit souvent être sauvée d'ailleurs par Force Jaune. Je vous propose de regarder un petit peu donc ce jouet que nous avons ici. Alors tous les autres, je les avais déjà chroniqués, je vous invite à aller voir ces vidéos-là. Entre parenthèses, je vous remercie parce qu'il y a déjà quand même pas mal de gens qui ont vu la vidéo sur Liveman. C'est très gentil. C'était donc ici des boîtes fenêtres, des boîtes françaises où nous montrait le personnage. Ici, il s'agit donc d'une boîte japonaise. Alors, comment sont faites les boîtes japonaises? Vous avez le personnage, son nom ici, donc Bioman Pink 5, encore écrit Bioman, du Bandai. Sur le côté, vous avez l'illustration de Pink 5, mais cette fois-ci, donc de la tête aux pieds. Bioman ici. Vous avez une photo du personnage sans son armure, sans son casque, une photo de l'actrice, hein, si vous voulez. La représentation de Force Rose, les 5 personnages. Encore ici. En dessous, la tête du personnage Bioman Pink 5, comme ça on est sûr de ne pas se tromper, c'est assez suffisamment répété. Et en haut, vous avez donc la même chose. Que peut-on dire avant d'ouvrir cet objet sur ce jouet-là? Bioman, je le disais, arrivé chez nous en 1985, série japonaise de 1984. Elle a atteint donc sa popularité en 87 en étant diffusée sur le Club Dorothée. 84, 87, ça fait quand même 3 ans par rapport aux versions japonaises. Résultat, les jouets Bioman proposés, mais il y en avait très très peu. De mémoire, vous aviez 3 forces sur 5 seulement, et peut-être le robot, mais le robot je ne suis pas sûr. Vous aviez force rouge, vous aviez force bleue et force jaune. Le rose et le vert étaient restés au Japon, on n'y avait pas eu droit. Tout ça pour dire donc que cette figurine vaut pas mal de sous-sous comparé aux autres. Le robot de mémoire, je ne me souviens plus parce que comme je vous dis, j'étais fort petit quand Bioman est arrivé. Moi j'ai commencé Bioman par le 2, puis le 3, puis par après seulement le 1. Donc c'est peut-être aussi pour une raison pour laquelle je vous montre Bioman original en dernier finalement dans mes vidéos sur le Sentai. Alors ici c'est pas un Scrabucha, c'est pas ce que mon fils a fait, non pas du tout. J'ai eu l'opportunité de rencontrer l'actrice qui joue Pink 5 justement, hein, donc Force Rose, et ma figurine est donc dédicacée. Pink 5 ici, elle a noté son nom là en japonais, ce qui fait encore une fois de plus augmenter la cote de la figurine. Alors pour faire vite, les figurines Super Sentai les plus chères sont les rouges évidemment, plus celles évidemment que nous n'avons pas eues. Et celle-ci, j'étais un jour allé voir sur un site d'un magasin au Japon, le magasin s'appelle Mandarake pour ceux qui connaissent. Je ne suis jamais allé au Japon mais par curiosité j'étais voir sur leur site. Cette figurine-ci, dans l'état où vous la voyez là et dont vous allez la voir le personnage dans la boîte, c'était entre 600 et 700 euros si on fait la conversion. Je n'ose imaginer avec la dédicace de l'actrice. Sincèrement, c'est une des pièces qui me tient le plus à cœur dans ma collection et à mon avis qui vaut le plus de sous dans ma collection aussi. Alors je vais l'ouvrir pour voir un petit peu donc et pour vous montrer la différence avec les boîtes françaises. Donc je répète, hein, les boîtes françaises c'est des boîtes fenêtres. Ici donc ça se présente comme ça, on va dire dans une vulgaire mousse. Bah, au moins c'est bien protégé. Et dedans, bah, voilà, comme je vous dis, vous avez le manuel, bon le manuel n'a pas besoin d'expliquer grand chose, mais qui tient surtout le pistolet en fait. Vous avez le pistolet et on vous explique qu'il faut le mettre dans la poche, au cas où on serait assez bête pour savoir que ça se met dans un holster, mais bon. Vous avez en plus une protection tête, voilà, donc la figurine est découverte, on va y venir tout de suite. Et vous aviez, un petit peu comme pour les Senseiya, Poppy, donc oui, à l'époque Bandai était avec Poppy, Poppy Best Catalogue. Et vous avez donc toute une série, pour ceux qui connaissent, de robots, d'Ultraman, le robot Bioman justement, les 5 Bioman ici, Captain Shider, le Biodragon Transporteur, toujours dans Bioman. Et comme je vous le disais, hein, de l'autre côté, d'autres robots et joyeusetés en tout genre, un Godzilla aussi. Mais bon, passons et regardons à ce qui nous intéresse le plus. Voilà, le fameux Pink 5 Bioman est à quasiment neuf. Hein. Il me manque juste une brassière en argent ici, enfin en aluminium. Mais sinon, c'est vraiment très bien conservé, regardez. Vous avez même ici l'autocollant avec écrit Bioman dedans, bon, évidemment vous n'allez pas le voir, mais ça fait référence à Bioman. Les casques, moi j'adorais toujours les casques de Bioman. Je trouve que les costumes dans la série Bioman sont vraiment très bien faits. Mais les casques, ça c'est vraiment quelque chose. Je sais pas, j'ai toujours flashé sur ces casques-là. Pour moi, les plus beaux costumes, c'était ceux de Maskman. Mais Bioman tire bien son épingle du jeu. Vous voyez, vous avez, ici vous avez de l'aluminium sur le côté également. Voici. Alors, est-ce que ça va zoomer? J'en sais rien, mais c'est bien une Bandai, hein, donc c'est une originale japonaise. Que pouvions-nous faire avec les autres, avec ces figurines-là? Eh bien, d'un point de vue articulation, vous pouviez monter le bras, le descendre évidemment. C'est très rigide, donc je ne vais pas aller trop fort. Vous pouvez le monter par là, faire du 360 avec. Au niveau du coude, vous pouvez plier aussi. Vous pouvez ouvrir les mains, ce qui était chouette également. La tête était articulée aussi. Les jambes, donc pas de grand écart, mais on pouvait les monter, on pouvait plier au niveau du genou. Donc il y avait de quoi faire avec ces petits jouets-là. De plus, le holster ici, comme je l'ai toujours dit, vous mettez le pistolet dedans, puis après vous le remettez dans la main, etc. C'était vraiment donc des jouets de grande qualité que nous avions ici. C'est toujours les mêmes corps qui sont utilisés, donc le corps est en métal, le bassin est en métal, les cuisses sont en métal, les bras, la tête et les bottes sont en plastique. Vraiment de très très grande qualité ces jouets Bioman. Je vais vous le mettre un peu ici pour pouvoir l'expliquer. Voilà, peut-être comme ça, voilà. Vraiment de très grande qualité et on peut comprendre hein, donc qu'ils ont eu une cote assez importante avec le temps. Comme je vous dis, celle-ci chez Mandarake, on est sur du 700-800 €, sans la dédicace. Sur eBay, je vois des gens qui vendent des Bioman avec un bras qui manque ou complètement décolorés, explosés de partout parce qu'il y a des pertes de peinture, etc. Ils les vendent quand même 200 €, 300 € sont des prix de folie pour un jouet comme ça. Comme je vous le disais à l'époque, pour acquérir un jouet Bioman, il fallait mettre à peu près 20 €, ce qui était déjà une somme assez importante pour un petit garçon ou une petite fille, on ne sait jamais, il y a des filles qui aiment peut-être bien Bioman aussi, et surtout pour les parents. Donc, cote très 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 impressionnante de ces jouets-là. Pourquoi Bioman a marché? Pourquoi est-ce que ça n'a pas fait un flop? Donc je l'ai dit, série colorée, novatrice, etc. C'est aussi une série qui... avait quand même de sacrées forces dedans. Certes, dans une série Sentai, tous les épisodes ne se valent pas. Il y a certains épisodes qui sont vraiment très bêtes, limite débiles. Il y en a d'autres qui tirent vachement leur épingle du jeu. Ici, l'épisode d'introduction du Bioman, ça rigole pas. Hein, quand l'Empire Gir descend sur la Terre, ça mitraille de partout et vous avez des gerbes de sang qui ça gicle vraiment à gauche à droite. Donc le premier épisode ne rigole pas. On montre également qu'on ne rigole pas non plus dans cet épisode-là, dans le sens où, dès l'épisode 10, va se produire un événement majeur dans cette série. Donc de 1 à 9, on voit les Biomen qui gagnent leur combat, toujours de la même façon, il ne peut rien leur arriver quand ils revêtissent leurs armures, ils sont intouchables. Et dans l'épisode 10, il y a carrément Force Jaune qui décède. Donc elle se prend plein de rayons d'un pistolet anti-bioparticules et décède à la fin. Donc dès l'épisode 10, vous avez un coup en vous disant waouh, ils ont fait ça, ils ont tué un héros dans une série destinée aux enfants. D'autres épisodes viennent encore par après avec des personnages vraiment géniaux. Vous avez vers les épisodes 20 à peu près un personnage qui s'appelle Prince. Prince est censé être le fils de Dr. Mad. Il est d'un sadisme et d'une cruauté à toute épreuve. Ça tient sur deux épisodes, hein, ceux avec Prince. Son robot résiste très très bien au géant Bioman. Donc on est sur un adversaire qui envoie du lourd. Et alors sur la fin, là vous avez un personnage mais qui est d'une classe mais phénoménale. C'est un personnage qui s'appelle Silva. Alors pour ceux qui connaissent, Silva déjà il a un thème musical, il fait stresser son thème musical, il est magnifique. Mais quand il arrive, on sent que Silva n'est pas loin. Silva n'est ni un gentil, ni un méchant. Il chasse les Bioman, hein, c'est un chasseur de bioparticules, donc il veut absolument les détruire. Et il est contre l'Empire Gir aussi. Il sait tenir tête aux 5 Bioman en même temps. Et son robot, Baldion, fait facilement un jeu égal avec le robot Bioman. Donc il y a des rapports de force vraiment tout à fait incroyables là-dedans. À un moment donné, vers les épisodes 30, vous avez un gros combat entre les forces de Bioman et l'Empire Gir. Bioman gagne, l'Empire Gir est dans un piteux état et le Docteur Mad est obligé de reconstruire ses généraux et ses hommes afin de leur redonner la force nécessaire. Donc on les croit vaincus et finalement ils repartent de plus belle avec des nouveaux pouvoirs, des nouvelles forces. Ils peuvent contrer les attaques de Bioman plus facilement. Donc il y a sans arrêt du mouvement dans cette série-là. Maintenant, je le disais aussi, la série n'est pas exempte de tout défaut. C'est pour ça que je considère toujours Liveman comme étant la meilleure et non pas Bioman. Pour diverses raisons. La première se situe dans les combats. Bioman ne varie pas assez ces scènes de bagarre. Attention, certaines scènes sont très très bien filmées, mais je veux dire, ça manque de nouveautés. Je vais donner un exemple, hein, ceux qui connaissent très très bien la série. Quand Force Rouge utilise son épée enflammée, pendant presque tous les épisodes, vous avez la même scène où il enflamme son épée, il fait un tour sur lui-même et les Mécarones explosent. Pendant presque tous les épisodes, vous avez ça. Il donne un coup de poing dans la tête d'un Mécaron, c'est toujours la même image qui revient. Point de vue variété combat, on a vite fait le tour. Et alors, la plus grosse faiblesse selon moi dans Bioman, comparée à toutes les autres séries Sentai, c'est qu'il n'y a pas de monstre hebdomadaire. Je m'explique. L'Empire ou l'Envahisseur crée des monstres, et chaque semaine, vous avez un monstre différent qui crée un piège, ou aux humains, ou aux Bioman, ou peu importe. Bref, un monstre qui est créé, et qui à la fin évidemment grandit, mais qui pose des soucis. Ici, ce qui se passe, c'est donc, vous avez le Docteur Mad, grand chef, avec 3 généraux, donc il y a Farah, il y a Jason et il y a Monstre, et 5 sous-lieutenants. Et bien c'est à chaque fois un des 5 sous-lieutenants qui se fait exploser à la fin. On ne sait pas comment, hein, il se fait exploser, et il revient dans l'épisode après. Et comme ça, pendant les 51 épisodes, c'est tout le temps comme ça. Ils font exploser un coup l'un, un coup l'autre, un coup l'un, un coup l'autre. Il n'y a pas de monstre. Et c'est ça pour moi le plus gros point faible. Alors vous allez me dire, oui, mais qui est-ce qui grandit? Quel est le personnage le plus grand à la fin? Alors le personnage le plus grand, ça c'est un monstre mécanique. C'est un Machigan Kabu no Kaans, comme appelle le Dr Mad, avec des spécificités propres, mais qui va poser des problèmes simplement aux robots et non pas aux Bioman. Donc voilà pourquoi, selon moi, Bioman n'est pas le top du top en matière de Sentai. Maintenant, cette série-là a quand même droit à plusieurs éloges, plusieurs honneurs, on pourrait appeler ça comme ça, notamment la fameuse parodie des Inconnus, hein. Quel honneur que d'être parodié par les Inconnus, avec des répliques cultes, hein, notamment moi je suis force jaune devant et marron derrière, ou encore quand ils attaquent avec leur disque laser, finalement la meilleure attaque c'est le disque laser de Dorothée. Culte, cette parodie, elle est culte. Ou le fameux « Toi, tu t'appelles Nathalie, avec tes yeux brillés et ta face de citron ». Mais non, c'est pour l'exportation en France. Donc, vraiment culte, cette série-là. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai pu faire dédicacer cette figurine par l'actrice. Je vais vous montrer également d'autres choses. Devant moi, hein, vous avez la Bio Bible. Alors, la Bio Bible, qu'est-ce que c'est? C'est un fanzine fait par des passionnés de Bioman. Et vraiment très complet, il est assez gros, mais je vais d'abord vous montrer ceci. Donc la dédicace, il y avait Force Rose ici, hein, donc son nom en français c'était Siku et en japonais c'était Haruka. Et également Jun, la Force Jaune. Donc j'ai les dédicaces des deux. Et ici, j'en avais profité de trouver cette belle image pour pouvoir faire également dédicacer cette, cette photo-ci. To Mr. Olivier, et alors c'est écrit hein, Pink 5 en dessous, comme vous avez sur la boîte de la figurine. Je vous parlais de Silva tout à l'heure, ben, voici Silva, hein, pour ceux qui connaissent. Personnage très inquiétant, il fait penser à un cow-boy un petit peu dans sa façon d'être, dans sa dégaine. Voilà pour vous montrer vite fait. Donc c'est un fanzine assez intéressant hein, qui parle des acteurs, du doublage, des monstres. Par exemple ici Monstre, hein, c'est celui qui est censé être le plus costaud, hein. Je pense que c'est un catcheur japonais dans la vie de tous les jours. Farah 4 pardon, qui épaule Farah, donc vous la voyez maintenant. Elle combat avec des nunchaku, elle pour le coup, ses combats sont vraiment bien chorégraphiés. Farah et autres, hein, où ici vous avez par exemple le bleu. Et alors, allons-y, hein, le rouge. Ça, c'est lui maintenant, le rouge. Donc vous, les Français, vous avez eu de la chance dans le sens où il me semble que lors d'un Japan Expo, vous avez eu droit aux 5 biomènes réunis. Nous, en Belgique, on avait eu Force Rose et Force Jaune qui étaient venus. C'était déjà pas si mal, comme je vous l'ai dit, j'en avais fait exprès pour dédicacer ma figurine. Mais c'est vrai que vous avez eu de la chance. Ensuite ici, on a le coffret DVD Bioman, hein, donc tous les fans de Bioman, je pense, le possèdent. Vous avez l'AVO, l'AVF, une image quand même d'assez bonne qualité pour une série qui va avoir 37 ans, ou qui a 37 ans maintenant. Et chez eux, chez IDP, vous avez toujours un beau livret, hein, éventuellement. Avec le guide des épisodes, une série évolutive, voilà ce que je vous disais, hein. Elle s'est évoluée la série. Force Rouge, donc Jackie Gore en français, Fred pour le vert, Bob Minara, il y avait un mix hein, japonais français, Bob Minara, Siku, donc elle c'était Haruka, Force Jaune, Mika qui décède, puis ensuite c'est June. June ne décède pas, hein. Pardon je viens de l'exprimer. Pibolo, j'ai oublié de parler lui, mais Pibolo, donc c'est toujours, il y a une espèce d'acolyte alien dans les séries Sendai, bien il vient les aider. Dr. Mad, Jason, Farah, Monstre, et ensuite donc vous avez les 5 membres hein, qui se font à chaque fois exploser, hein. Juo, Saigon, Madler, Aqua Tiger, Motsu, le fameux Silva, le guide des épisodes. Bref, comment clôturer là-dessus? Alors ceux qui n'ont jamais vu Bioman et que vous voulez vous lancer dans le Sentai, bah, allez-y, c'est une bonne ouverture. C'est de toute façon une série culte, donc vous ne risquez pas de passer un mauvais moment. Ceux qui ne connaissent que Power Rangers, ben allez-y, jetez-vous sur les Sentai originaux. Petite anecdote encore par rapport à Power Rangers, c'est que Bioman était censé être la première série adaptée pour les Américains. Donc les Américains étaient déjà venus au Japon, voulaient acheter du Super Sentai et ils avaient jeté leur dévolu sur Power Rangers. Pour quelles raisons ça ne s'est pas fait, je ne sais pas. Mais de toute façon, ils sont revenus à la charge après avec le Zio Ranger. Ça tombait bien pour eux parce qu'à ce moment-là, Jurassic Park sortait aux États-Unis et Power Rangers a un rapport avec les dinosaures. Donc ils ne sont pas allés chercher très très loin. Donc série à conseiller, série culte, ça a un peu vieilli, oui, c'est un peu rébarbatif dans les combats, mais comme je vous ai dit, si vous ne la regardez pas, vous allez passer à côté d'épisodes mémorables, de personnages très charismatiques, et surtout d'une série Sentai légendaire dans la pop culture. D'ailleurs, en France, en Belgique, on en parle encore maintenant, donc c'est que ça a fait son petit effet. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous présenter Bioman. Et bah, si c'est le cas, donc n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit commentaire, un pouce bleu, vous abonner à la chaîne, merci, ce serait sympa. Partagez la vidéo également pour faire connaître la chaîne à le plus grand public possible. Voilà, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.